chers invités en vos rangs et qualités respectifs. Ce jour restera sans nul doute gravé à jamais dans les annales du secteur de la pêche et dans la mémoire collective des populations de Ngor. C'est pourquoi je voudrais exprimer tout le plaisir que j'éprouve pour me retrouver parmi vous pour présider au nom du président de la République la cérémonie de pose de première pierre de la maison des pêcheurs de Ngor, la remise de deux embarcations motorisées aux femmes plongeuses de Ngor, mais également la remise de matériel destiné aux pêcheurs et marailleurs de Ngor. La pêche est un secteur très important pour notre économie. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall l'a inscrit parmi les moteurs de croissance de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Axe 1 qui s'intitule « Transformation structurelle de notre économie vers une croissance inclusive ». La maison des pêcheurs que nous avons l'honneur de présider la pose de la première pierre au nom du président Macky Sall est d'un coût d'environ 100 millions de francs CFA comme infrastructure. Elle comporte un bloc de bureaux pour l'administration du GIE, nous l'avons dit tout à l'heure, également un bloc de sanitaire, un abri pour les moteurs, 7 magasins environ, une infirmerie, une salle polyvalente pour les réunions et les sessions de formation des acteurs. Le matériel que nous avons distribué aujourd'hui fait partie d'un lot de matériel qui fait globalement 166 millions et destiné à Ngor, Yoff, Betenti, Kafountine, Nyodor, Ndangan Sambou, John War et Bassoul. C'est ce lot de matériel-là, chaque site va recevoir la même quantité. Pour dire simplement que ce que nous voulons effectuer comme pose de première pierre, et là j'interpelle l'entreprise qui est là, qui est en charge de ce travail, eh bien, nous demandons à l'entreprise de tout mettre en œuvre pour avoir zéro retard dans la réalisation de cette infrastructure.